Sur une falaise saillante, à l'extérieur de la ville de Marseille, s'élevait un monastère des plus sinistres. Pour l'œil crédule, sa façade sans fenêtre suggérait une simplicité propice à de modestes vénérations, mais la vraie raison de son austérité était bien plus grave. Dissimuler aux yeux du monde les atrocités commises en son sein. Et qu'en est-il de son esprit ? Pour ce que nous en savons, il compose toujours. Pourquoi la moralité doit-elle servir de baromètre pour mon livre ? Aussi heureux que je puisse l'être de vous voir si prolifique, je crains cependant de devoir placer une certaine censure à votre plume, cher marquis. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Et nul ne peut rivaliser avec un maniaque en matière d'invention. Si nous n'étions pas de si mauvaises femmes sur papier, docteur, je parie que je ne serais pas une si bonne fille dans la vie. Madeleine ! Ce n'est pas nous qui gouvernons Charenton, c'est lui ! Seulement, il était si facile de me faire taire.